Salut à tous et à toutes, c'est Wendy et nous nous retrouvons pour Appellation d'origine titanesque, Wings of Fire, non Wings of Freedom, je veux dire Wings of Fire, les ailes de feu, yeah! Non, on se retrouve sur Attack on Titans, Wings of Freedom, donc les ailes de la liberté, loul. Et on se retrouve bien sûr avec notre cher Lorelai 8, spécialiste manga animé et tout le tralala. Salut tout le monde, c'est Lorelai 8 et regardez-moi Connie qui veut nous, je sais pas, nous agresser. Et on a un guest aussi, c'est le vent. Ouais, la fenêtre ouverte. Vous allez entendre des C'est une petits ambiance bruits. feng shui nature. On est bien, prenez votre thé, On votre va cup of tea. faire un. Ah, y a Jean. Un ASMR. Oh! Oh la tête! La tête de choqué! Bon, on va pas lire les trucs. Hein. Vous savez lire? Je les laisse un petit peu, voilà. J'en ai marre de vous materner au bout d'un moment. Démerdez-vous, quoi! Mon Dieu. Surtout qu'on leur a donné des voix horribles. Oh. Oh, il est beau. Marco. Comment tel de bien Je crois qu'il s'y lisait pas. Mais parce que je veux dire au moins Marco. Mais j'avoue, Jean, il fait chier, donc. Au moins, vous êtes tous rentrés sains et saufs, Mikasa. Mikasa. Je suis contente que vous ayez tous survécu aussi. Kaza qui parle comme ça. Pardonnez-moi. La Je vous ai décrédibilisation du sans personnage. assumer la responsabilité de ma vie. Si nous étions restés là-bas, nous serions tous morts à l'heure Bon, qu'il est. vous ne le savez pas encore, Mais mais vous vous êtes êtes déjà déjà morts. morts. Grâce à toi, nous avons évité une destruction totale. Bon, c'est le mode drogue aujourd'hui, je sais pas. Ouais, en fait, je Ah, dirais. il y a les osesthéticiens. Ah oui, les logisticiens, c'est vrai, ils sont là. Ah. Ah. La pub de Il y service. a Anne. Excusez-moi. Tu crois que Dis ce donc. titan est aussi un déviant, mais qu'à ça? Tu as dû observer un peu, bon, voilà, blablabla. T'es C'est. bien placé pour parler, Annie, hein? Je suis en train de regarder les deux visages. Mais en fait, il y a. C'est horrible. Elle fait la même tête que ma figurine pop de Soul. Attention. Ah, mais regardez. Mais qui est derrière moi? Oh, mais c'est Bertholdt! Inconnu au bataillon! Lui aussi est vénère dans Un sa bulle. titan qui combat des titans, qui combat des titans, qui combat Quoi, des des titans? titans. Il combat lui-même des titans! Mais c'est incroyable! Oh mon C'est Dieu. inédit! Et je me suis retrouvé à court de gaz. Non, non, j'ai failli me suicider. Mais on te l'a dit, Bertholdt! Le secret, c'est de manger des faillots. Tu manqueras jamais de gaz! Oh, putain. Je suis désolée. Je n'ai pas assez donné de pain à Oh la Eren. tête de Mikasa! Oh, n'empêche, ça fait une belle image. Avec Bertholdt. Avec ce mec. Oh oui, et tu vas jouer que comme ça! En ce plan. Oh mon Dieu, la tête de Reiner. Oh! Trop stylé. Et Mikasa, c'est quoi ce titan? Bon. Tu poses trop de questions, Reiner. Hein? Tu veux dire qu'il est surgi de nulle part, comme ça? Tu peux aller voir Jean, j'ai envie de lui dire un Ah, truc. attends, Jean, vas-y, Jean. Jean, tu es Attends. coiffé comme une bite. Tes arguments sont invalides. Salut. Ah, oh, purée. Jean. Qui est derrière nous? Mouais. Bon, Bon, allez, allez, Armin. attends, on va regarder les logisticiens. Waouh! Bon, rien de nouveau. Ces mecs ont pas de prénom. On va lui donner un prénom, qu'est-ce que t'en penses? On va un nom allemand. Bertha. Alors, logisticien A et logisticien B. Mais non! Gunther! Ah, attends. Max Mou et Moritz. Allez, ça marche. Max ou Moritz. On va dire que les logisticiens, maintenant, ils s'appellent Max et Moritz. Armin. Bon, ça, on va le dire quand même. Je ne savais pas trop si ce titan allait réagir comme je le pensais. Mais ça a marché, je ne sais pas trop comment. Il est trop fort. Reste positif.
L'Armin que je connais toujours une solution. Que devrions-nous faire maintenant? Bien, réapprovisionnons-nous en équipement, puis fuyons comme prévu. Bien, passons à la tâche suivante tout de suite. Un moment, Armin, je dois passer au petit coin. Ce titan va de nouveau se déchaîner. dialogue de titan. Mais regardez! Regardez, vous pouvez voir ce titan à 50% d'ADN. Écoutez-le. N'importe quoi. Oh là là. En fait, on s'est dit on va se lâcher un petit peu plus que la dernière fois. Parce que l'épisode 1, on est au taquet. L'épisode 2, La première session, on était ouf. Un peu déchaîné. La session 2, on a été très calme. Et donc là, oui, nous allons jouer le fameux Titan mystérieux. Avec des cheveux longs. Et avec des yeux d'une couleur... Et regardez. J'adore. T'as vu le trophée? Plus. Tu es plus. Oh là là. Bon bah ah oui, voilà. Je peux prendre des... Bon alors, on va poser une question. En fait, j'ai l'impression... Est-ce que vous préférez jouer un petit soldat qui fait pendouillis avec des câbles comme un papillon, ou est-ce que vous préférez jouer le Donc là, titan mystérieux? Lorsque vous adoptez la forme d'un titan, utilisez carré pour effectuer des attaques normales et triangle pour des attaques lancées. Vous pouvez également utiliser X pour vous évader. Appuyez sur carré tout en vous évadant pour charger des attaques sous forme de titan. Maintenez X pour sauter. Et donc rond quand notre Georges... Notre Georges Qu'est-ce qu'il me fait là? Poum! Et attention. Oh! Ah, attendez, je veux. Oh, il est bugué! Je suis désolé, je vais faire une référence, je suis obligé. Merde, attends. Qu'est-ce que tu veux faire? On voit plus rien. Valjance match! Oh! John Cena! His name is John Cena! C'est quoi ce trophée de Jean? Blah! Quand tu reverras le trophée de Jean, la tête qu'il fait. Et lui, il a essayé de te bouffer. Mais oui, il le sait. Valjance Smash. Bah il est si fort. Ah oui, donc là, donc il faut évader. Regardez, évasion. Évasion, on peut sauter. Regardez. Ah, tu peux faire une attaque chargée. C'est la prochaine étape. Titan. Ah oui, en s'évadant, c'est vrai. Venez les titans. Pout, pout, il y en a là. Pout, 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 pout. Déjà, t'es un titan beaucoup plus grand que les autres. Et regardez, hein, tout est destructible, vas-y. Destruction de la ville, je m'en bats les steaks. Arrête! C'est ta ville! Bam! Non, c'est pas ta ville. Ça, c'est vraiment bien fait, hein. Que tu peux tout détruire, ouais. Que tu puisses tout détruire comme ça. Attends, est-ce que la shop, ça détruit? Non, ça ne détruit pas. Là, il y a un titan qui fait YOLO, là-bas. Ah, attention, on peut effectuer l'attaque enragée. On va se mettre. Alors, devant... enrage-toi. On va se mettre devant quelques. Attends, quelques parce qu'il y a des petits soldats. Bleu. Pouaf. Et voilà. Voilà. Oh, tiens, un mec. Non, t'agresses pas les humains. Valjean Smash. Oh. Alors, attends. Non, il y en a trop. Non, rien. C'est Max qui parle. Attends, il est pas mort? Ah si, il est mort. C'est Max qui parle, t'as c'est vu? Max Moritz. Non, c'était juste Max. Aïe. Oh, oh là, c'est l'échec. Aïe. Oh. Cette violence. Oh non, il y a un mort. Bam. Eh, oublie pas que t'as des soldats à sauver. On hein. s'en bat les couilles. Mais on non, veut mais... juste détruire. Détruire. Détruire, regarde. Il y a le cadet qui souffre. Bah, le cadet, il est mort, en fait. Attends. Bah 8000 dans sa gueule. Il y a un autre mort. On s'en bat les couilles. Mais non. Et pam. Ah ça y est, l'approvisionnement est fini. Ah. Le chef de soumission finale. Ah bah c'est lui qui nous regarde. Salut. Éloigne-toi tout de suite. C'est celui qui est là. Hein. Il est là, ouais. On va pas le faire tout de suite.
C'est le déviant qui a dévoré Thomas, oui. Ah oui, c'est celui qui a dévoré Thomas, effectivement. Alors, appuyez sur R en proximité pour le verrouiller, d'accord. D'accord, oui, donc c'est pour... une cible de soumission. Eh bien, Titan, mais tu es dingue. Mais non, on va pas tuer tout de suite, lui. Ah si, on peut y aller. Regarde. Prends ça. Voilà. C'était rapide. Ah, attention, non, on peut rien faire. On peut pas lancer un... Ça y est. Ah là 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 là. Regardez-moi ses yeux verts pétillants. En fait, j'ai pas envie de parler, mais j'ai envie de parler en même temps. Je c'est, me dis, c'est une cinématique, j'ai pas envie de parler parce que c'est l'habitude, mais on avait dit au début de ce let's play, de ce let's détente, qu'on parlerait quand même pendant les cinématiques. Mais Jean, c'est vraiment une flippette. Jean, tu es coiffé comme une bite. Ça se finissait juste comme ça? C'était pas à la base parce qu'il se faisait bouffer normalement? Je sais même plus. La 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 la. Mais qui s'est dit? Mais qui qu'est-ce qui c'est? Mais c'est Eren. Et là, l'éclat dans ses yeux redouble d'intensité. Mikasa. Mikasa va beaucoup mieux. Eren. Ce qui me fait marrer, c'est que... Enfin, c'est par rapport à ce qui va se passer plus tard. Mais on voit bien que... Il n'y a que le groupe, là. On le voit bien. Putain, la violence de ce vibreur, je m'y attendais pas. Ah, qui c'est qui nous dérange? Ouais. Attention, vous voyez Mikasa qui pleure. Et ça, c'est rare. C'est très rare. Enfin, dans la première saison, c'est très rare. Dans la deuxième, je ne sais pas, vu qu'on l'a pas vu. Bip 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 bip. Eren. Eren s'est fait avaler par le Titan. Je l'ai vu se faire couper le bras par Papa Noël. Ouais ouais, par Santa Claus. Ah, tu vois, ils font quand même bien voir hein, que normalement il s'est fait bouffer son bras. Hein. Il s'est fait couper un bras normalement. Ouais, et bah c'est bien. Revenu. C'est Eren qui a fait ça? Bah ça alors, il est pas si faible que ça. Mais, attends, est-ce que ça voudrait dire que je suis une merde? Mais en il fait est moins nul qu'il paraît. S. Et il y a une mouche. Ah, fite la mouche. Fite la mouche, ouais, c'est ça. Très chiant. Niveau 15, niveau 3 pour Eren. Un nouveau cheval de guerre. Et on a obtenu les tripes. Après la rafle, les tripes. On conserve la précision de vos mouvements, même en cas de blessure. Oh. Ce qui est plutôt cool. Ça alors, t'as fait que des soumissions supérieures, dis donc. Bah ouais, oh là là, qu'est-ce que c'était difficile. Et regardez-moi ça, poum 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 poum, plein de Et comment tu peux foirer quand t'es en mode titan? Une nouvelle tenue pour Eren est maintenant disponible. Une nouvelle tenue. Ah, peut-être la tenue déchirée. Ah, peut-être, ouais. C'est peut-être ça. Et on a obtenu les grenades aveuglantes. Les grenades assourdissantes. Les grenades désodorisantes. Est-ce que les grenades assourdissantes, c'est vraiment très utile? Armin! Nous sommes tous allemands! Sauf toi avec un saké japonaise. Et le pire, c'est que c'est vrai. Bah oui. Connie. Mais qu'est-ce qu'il a encore, Connie? Il regarde sa main. Krista. Ça, c'est de la bonne déduction, Jean.
triste. Ah. Oh, la tête d'Armin. Et la tête d'Eren surtout. Je me souviens rien. Oh putain, pas lui. Allez Eren, sors-nous un de tes discours incroyables. Héroïque sur la vie. Les coccinelles sont des coléoptères. Et pour ceux qui ont toujours pas compris les petites blagues sur ça, j'ai mis dans la description, dans les descriptions des vidéos, j'ai toujours mis le lien vers la vidéo de du résumé foireux. Ah oui, on l'avait vu, je l'avais vu, parce que ça, pour vous dire, ça c'était la partie que j'avais fait chez Lorelai quand c'était encore son jeu. Jadis, c'était son jeu. Regardez. Ah, mon Dieu. On va tous crever. Ah, c'est pas si fidèle que ça à l'anime. Y'a pas Eren qui a fait sa tête d'idiot. Elle est où sa clé autour du cou? Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et regarde ça, il sait pas, mais il a quand même un réflexe. Hein, il a le réflexe. Eh, c'est trop beau. Ouais, c'était quand... Je rigole sur le fait que c'est pas... Quand je dis que c'est hyper, pas... hyper précis niveau... Parce que oui, voilà, il a pas sa clé autour du cou, Eren. Parce que normalement, il a la clé du sous-sol de sa maison. Mais tu sais, dans l'animé, des fois allié, des fois allié pas. Ouais, je sais. Mais c'est bizarre, parce que tu vois, vu que le début de l'histoire, ils en parlent tellement de cette fameuse clé. Hein, D'ailleurs, j'espère que dans la saison 2, on avance un peu à propos de ça. Chargement de qualité. Waouh! Trop beau! C'est là, chez l'agent de Colombier. Hé, tu vas bien? La tête d'Hermine. D'Hermine, je veux dire. Hé! Excusez-moi. Eren, Mikasa, regarde-moi la tête de... Ah ça, ouais. Tu sens la tension dans son regard. En mode, je te suivrai, même si je meurs. C'est le moment pour Armin de briller. Bon, là on parle moins parce que là c'est la tension, c'est un moment. C'est un moment grave. Eren en BG. Mais oui. C'est ce qu'il essaie de motiver Armin, tu vois. Il fait son regard de beau gosse. Eh, hey, je sais que tu vas y arriver. Et là, Mikasa en mode... Oui, je suis sûr que tu peux y arriver, Armin. Ouais, à 100%. Je suis sûr et certain. Je croyais tellement quand je te fable gênant. Arrête de te sous-estimer, Armin. Armin... Prends du poil de la bait. De la bait. Attention. Si tu pars. Attention, ils ont peur d'un gosse. Lui. Mais c'est vraiment le pire. Ah,
Elles sont là, les preuves. Oui, c'est vrai, il a raison. Bah oui, attendez, mais oui, en fait. Ce gosse est il moins a totalement con que raison. Tout le monde. Lui, il est trop névrosé pour entendre quoi que ce soit, en fait. Et puis, des moutons. Je crois que lui, on le revoit même plus, après. Ah, la même tête que dans l'anime. J'ai confiance J'ai en toi, confiance, on a confiance en toi. Fräulein. Ah, voilà. C'est l'arrivée d'un nouveau personnage. Oh là, t'as vu le... Oui, j'avoue. C'est un sorcier, putain. Et on joue... Armin. Commandant Big 6, officier supérieur du territoire sud, nous sommes en vie par sa grâce. Désormais, votre personnage est Armin. Donc avec une force nulle. Pardon. Fräulein. Lui aussi, il fait un beau salut. Et que RN, en fait, qui se la pète. Pour l'instant. Alors, y a du monde à qui parler. Yeah. Tu nous as sauvés, Armin. Nous avons raison de te faire confiance. Je savais que tu serais capable de persuader la garnison. Merci d'avoir cru en moi. Je suis soulagé que toi et Mikasa n'ayez pas eu à fuir de l'autre côté du mur. C'est une mesure drastique et pas très réaliste non plus. Ce pouvoir doit être manipulé avec prudence sous la surveillance du régiment. Après avoir renoncé à convaincre la garnison, c'était la dernière fois que nous étions tous les trois ensemble. J'aimerais qu'il nous fiche un peu la paix. Si les choses s'enveniment, nous comptons sur toi, Armin. Tout repose sur Armin. Armin. Ouais, je sais. Fräulein, je ne suis plus aussi faible. Ça. Merci, Armin. Grâce à toi, nous n'avons pas eu à fuir de l'autre côté du mur. Je suis content qu'on ait réussi à s'en sortir. C'était peut-être un coup de chance, mais quand même. Ta perspicacité nous a sauvé la vie plus d'une fois. Tu ne l'as tout simplement pas encore réalisé. Plus d'une fois? Quand ai-je déjà sauvé la vie? Ce n'est pas le moment. Nous en discuterons plus tard. Tu vois Mikasa qui est en train de sourire là ou j'hallucine? Attends. Mais si! Allez, on joue! Yeah.